Ami Vapoteur, bonjour. Aujourd'hui, c'est Eric Kowap. Donc, on se retrouve sur le site de Bioconcept Pharma. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose, c'est que sur ce site, vous ne trouvez pas de PGVG. Ça n'existe pas. Vous trouvez du GV, MPGV. Alors, il faut savoir que le PGGV, le PG, donc déjà, c'est du propylène glucose et le PG, c'est d'origine, le PG, c'est d'origine végétale. Le VG, c'est un additif, il permet à faire la vapeur. On l'utilise en complément du PG. Voilà, c'est ça, le PG. VG. Le PG, c'est usine d'origine végétale, et le VG, c'est un additif. C'est tout. Alors ensuite, vous avez donc sur Bioconcept du GV. Le GV, c'est quoi? C'est de la glycérine végétale. Voyez, glycérine 100% végétale, certifiée agriculture biologique. C'est pour ça qu'en haut, on s'est marqué, donc dans leur site, du bioconceptpharma.com. Donc c'est pharma.com, c'est bioconceptpharma.com. Donc le glucide végétal est le principal agent producteur de la vapeur. C'est lui qui vous permet de faire de la vapeur dans une cigarette électronique. Elle est souvent associée à du monopropylène glucose végétal. C'est le MPGV. Le MPGV est combiné à un arôme pour apporter du goût et du parfum à la vapeur. Voyez, c'est la différence des deux. Le VG, vous trouvez dans d'autres produits, donc dans d'autres sites, c'est un additif. Et là, donc c'est du MPGV, monopropylène glucose végétal. C'est combiné à un arôme pour apporter du goût et du parfum. Donc pour moi, je trouve que le goût et le parfum qui ressort, pour nous, c'est ce qui est le plus important. Donc, autant prendre du MPGV sur donc Bioconcept Pharma qu'aller prendre du VG, c'est un additif qui permet de faire de la vapeur. C'est tout. Pour le GV, donc le glycérine végétale, la glycérine végétale, c'est 100% végétal certifié agriculture. Donc vous pouvez regarder, ils vous mettent tout. Comme quoi, c'est vraiment. Donc, ils vous mettent ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez exactement, vous voyez, c'est signé et tout, certifié le 23/03/2015. Pour moi, c'est vraiment une boîte qui est fiable. Pourquoi le Bioconcept ne pose-t-il pas de logo officiel AB, donc agriculture biologique, sur cette étiquette? Parce que la glycérine végétale est biologique, mais elle n'est pas le seul composant de nos liquides. Voilà, c'est ça qui vous marque. C'est pour ça qu'ils mettent pas agriculteur biologique. Mais vous avez plus de bio à l'intérieur, des produits sains à l'intérieur, que quand vous trouvez du VGPG. Que dedans, on vous dit que c'est un additif qui permet de faire de la vapeur. J'ai rien contre les autres sites. Attention, j'ai pas dit ça. Mais moi, depuis que j'utilise du VG et du MPG, je trouve déjà que mes résistances durent plus longtemps, s'encrassent beaucoup moins, que les goûts ne sont plus les mêmes par rapport à ce que c'était avant, par rapport à ce que je vapotais. Je vois que déjà il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Bon, je trouve qu'il n'y a pas d'eau.
Je crois qu'à un endroit, ils disent qu'ils en mettent un peu, mais le produit est tellement épais qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'eau. Et je vous dis, les résistances durent beaucoup plus longtemps, s'encrassent beaucoup moins facilement. Voilà ce que j'avais à dire sur la différence entre le PGVG et le GVMPGV. Voilà. Donc n'oubliez pas, ils sont toujours leur super promotion là. N'oubliez pas qu'à partir du 1er janvier, c'est fini. On peut plus commander des grosses quantités en nicotine. Hein, donc là, vous l'avez en zéro. Hein. Vous en achetez 5 plus un gratuit à 59,50 en zéro. Donc après, vous pouvez toujours les conserver. C'est ce que je vous dis. Ça, c'est une chose qui se conserve très bien. De toute façon, il y a une DLC dessus qui est marquée. Hein. Je ne sais même pas si c'est une DLC qui met. Et puis, vous avez 20 points de fidélité. Quand vous commandez ça, ça vous fait 10 euros de réduction sur votre prochaine commande. Donc, ça vaut le coup de commander ce produit, à mon avis. Hein, comme très bientôt, ils vont mettre en vente leurs boosters. Donc après, il ne vous manquera plus qu'à commander vos boosters. Et hop, c'est parti, vous mettez vos boosters à l'intérieur et vous avez votre taux de nicotine. Voilà. Sur ce, c'était Ricouvap. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime en bas et abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera plaisir. À la prochaine vidéo.